La tour Saint-Nicolas a connu des désordres à la fin du mois de février. Il fallait faire des travaux d'urgence de manière à consolider la tour, de manière à ce que le parement ne tombe pas. Donc aujourd'hui, nous avons étayé entièrement toute la salle basse de la tour Saint-Nicolas. Et là vient d'être mis un frettage qui va nous permettre de maintenir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, le parement de la tour Saint-Nicolas et donc de la stabiliser. En parallèle, nous avons fait des injections de ciment marin à l'intérieur des fondations de manière à permettre une stabilisation quasi complète de la tour.